va parler. Si je fais ça, ça va parler, tout le monde va venir vers moi. Ouais. Donc l'idée du gain, quand on est comme ça, c'est le coude qui rentre ici. Et tu gardes l'angle. Comme ça, dos fesses, reste du. Ouais, reste du. Dos fesses, ouais. Je vais pouvoir t'embarquer. Hein? Pourquoi c'est le coude qui travaille, tout en étant relâché. Si maintenant, tu es déjà comme ça et que mon angle n'est pas bon, si je fais ça, enfin, ça va aller. Si je fais que le bras, t'as vu, ouais. Ça va aller. Qu'est-ce que je dois faire? C'est ouvrir mon angle et quand même aller chercher. Donc toujours se retrouver devant moi. Comme ça, après, l'idée combat, regarde. Ouais, je peux y aller. Donc ça, c'est vraiment dans l'apprentissage de travailler avec le cou qui vient dans la hanche. Maintenant, on a travaillé que le cou, on n'a pas travaillé d'effet. Donc ça, tout ça est lâché. On garde juste une idée d'aller vers la hanche. Donc on doit être figé comme ça. Parce que plus on va figé, ça va être facilement contrôlable, si même tout est là. Mais si je suis là, là, je suis là, ça devient différent. Moi, j'ai la structure qui est là derrière. Maintenant, dans ce mouvement-là, vu que je suis relâché, au moment du contact, je vais pouvoir faire comme dans le mouvement. Donc, ouais. Le coup pourrait pas venir là, donc je vais venir avec le bam. Et ça, ça ne va pas bloquer ça. Et bam. Ouais. Pas ça, parce que ça ne va pas. Comme on voit sous le bord de la planche, je fais comme ça. L'idée, c'est vraiment travailler tout ce qui est biomécanique de la structure.